Tout cela est bien joli, mais c'est fort mal connaître le sommeil qu'imaginer qu'on va le voir venir. On peut, à la rigueur, le sentir qui s'installe, mais on ne le voit pas plus qu'on ne regarde le soleil en face. C'est lui qui va s'emparer de vous, par derrière, ou dans un angle mort, car on n'aborde pas le sommeil en sentinelle, la main en visière, surveillant le surgissement de visions hypnagogiques, damiers, spirales, constellations, qui d'ordinaire vous informent de son arrivée. Et les recherche-t-on, ces visions? Tâche-t-on de les provoquer, qu'elles se défilent, se dérobent, se refusent, attendent qu'on ait renoncé à elles pour décider d'attaquer? Ou pas. Bref. Thank you.